Bonjour et bonsoir à tous. On va attendre une petite minute avant de voir qui est là et si tout le monde est là. En tout cas, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là et ça fait plaisir de vous revoir. Allez, on va attaquer. Je vais essayer de saluer tout le monde. Marwa est là. Bonjour ou bonsoir, Marwa. Zinerva Razvi est là. Monica Bing est là. Daria est là. Victoria est là. Save the best for the last est là. James est là. Bickert est là. Amira Ahmed est là aussi. May 1, May 1st, je ne sais pas, est là aussi. John Banahart est là. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de personnes. Cospinalica est là. Rory! Youpi! Rory est là. Widad est là. Tout le monde est là apparemment. Abir vient de nous rejoindre avec une belle fleur. Ben, ça, c'est très très sympathique. Allez, on va attaquer, si vous voulez bien, avec comme d'habitude, la petite question. À vous la parole. Et bon, on va essayer de rester léger et joyeux avec cette phrase, la vie est belle quand. Prenez une petite minute pour continuer cette phrase, s'il vous plaît. Ah, oh, Ice Cube, c'est là aussi. Youpi, youpi, tout le monde est là, c'est formidable. Allez, je vous attends. Une petite phrase, merci. Que c'était assez rapide, hein. Je vois que c'était assez rapide. Cosminalika a dit la vie est belle quand on est ensemble, et c'est vrai que ça c'est sympathique. James nous dit la vie est belle quand je joue au tennis. Très 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 bien écrit parce que c'est avec la préposition à. James, félicitations. Abir, la vie est belle quand j'ai beaucoup d'argent. Caroline, bonjour Caroline, s'il vous plaît, écrivez la phrase. John, je peux, très bien. C'est formidable. Alors, on continue. Attendez une seconde, je regarde. Amina, la vie est belle quand on fait les choses à temps. C'est vrai, et des fois c'est difficile. Zingray, la vie est belle quand je fais une vacance. Attention, Zingray, on utilise le verbe prendre. Je prends des vacances, hein, au pluriel. Très bien, Zingray. Alors, Awatef, quand on est apprendre, oui, quand on apprend, Awatef, hein, en général, on utilise juste le verbe apprendre et vous conjuguez, ok? Quand on apprend. Append. Ok. Bonsoir Nguyen. Vous pouvez participer au cours. Ensuite, alors Zinerva, quand j'étais jeune. C'est vrai. Quand on était jeune, tout était plus simple. Amira, quand on a de bons amis, c'est très bien. Ahmed ou Amira, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, c'est très très bien. La vie est belle quand je parle français très bien, nous dit May 1, c'est vrai. Alors, Corpse, je vois, attendez une seconde, je continue. Daria, alors Daria, elle aime bien écrire des longues phrases. Donc, prenons le temps, Daria. La vie est belle quand je me sens bien et inspiré, et aussi quand je danse. Attention, Daria, danser, c'est avec un S en français. Ou lis un bon livre, et maintenant je suis heureuse d'avoir ce cours avec Vincent. Très bien. Daria, c'était parfait. Juste, souvenez-vous
Daria, le verbe danser en français, c'est avec un S. Hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, Ice Cube, qui nous dit la vie est belle quand nous sommes avec les personnes qui nous aiment. Félicitations pour ce magnifique pronom relatif qui, avec une belle structure. Rory, bonsoir Rory, ça fait plaisir que vous soyez là. J'espère que vous allez bien et continuez avec Fortnite. Hein. Alors, Rory, il dit, la vie est belle quand il peut voyager. Alors faites attention, n'importe où, c'est l'expression. Je pense que les voyages sont très importants pour étudier la vie. C'est vrai, vous avez raison, Rory. Vous avez raison. Alors ensuite, je regarde. Oui, Dad, la vie est belle quand je serai entouré par ma famille. Ouais. Oui, Dad, vous pouvez dire de ma famille aussi. D'accord. Kedim qui nous dit, la vie est belle quand je suis avec ma famille. D'accord. Zingray, d'accord. Alors, save the best. La vie est belle quand les souhaits, mettez au pluriel, save the best. Les. LES, un souhait deviennent réalité. C'est parfait, le reste. Save the best. Monica Bing, la vie est belle quand je cours. C'est vrai que ça, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Courir, c'est bien. Vigo, Stockholm, je mange les tartes aux framboises. Quand je mange les tartes aux framboises. Vigo, Stockholm, vous pouvez imaginer. Les tarte aux myrtilles, c'est délicieux aussi. Victoria, la vie est belle quand je fais faire de la marche. Ouais, quand je fais, FAIS, de la marche. Ou sinon, quand je marche. Bickert, la vie est belle quand je suis ensemble avec ma famille. D'accord. Suzy, vous êtes là. Bonjour Suzy, j'espère que vous allez bien. Bonjour. La vie est belle quand le... Suzy, on va pas mettre the. On parle en français ici. Le soleil est dans le ciel. Faites attention Suzy parce que ciel c'est masculin. D'accord. Donc vous mettez juste l'article le. Alors, Finzark, bonjour Finzark, comment ça va? La vie est belle quand la connexion Internet est fluide. On voit quelqu'un qui aime bien avoir une bonne connexion et je comprends. Pema, la vie est belle quand j'étais dans mon pays, c'est vrai. Mohamed, la vie est belle quand je joue au foot, ça c'est important. Très bien, allez, on va continuer. Excusez-moi, je ne peux pas regarder tout ce que vous mettez, mais en tout cas, on va attaquer avec la photo du jour. S'il vous plaît, une phrase pour, comme d'habitude, décrire cette photo. Merci beaucoup. Alors, commençons à regarder ensemble ce que vous avez écrit. Kedim Meriam était en première position. La liberté est dans l'air. C'est très très joli et c'est parfaitement écrit. Ice Cubes, j'ai vu un homme. Il tombe du ciel. Oh là là. C'est vrai que ce serait intéressant.
Suzy, je vole 100. Alors ça, c'est intéressant, Suzy, parce que quand on utilise 100, on ne met pas de d'article. 100 avions. D'accord. Amina, quelqu'un qui cherche à atteindre ses objectifs. Parfaitement écrit et c'est parfait. Daria, sur cette belle photo, on voit un homme sportif qui fait le saut à l'élastique. Il doit être très brave. Ouais. Faites attention, Daria. En ancien français, ou en français d'une certaine période, brave, c'était comme en anglais. Et maintenant, on utilise courageux. D'accord? Faites attention parce que brave peut avoir une connotation négative. D'accord? Donc, peut-être utiliser courageux, Daria. Ensuite, Umang, un homme jette pour amusement. Ouais. Utilisez plutôt un homme se jette pour amusement, c'est un petit peu bizarre, pour se faire plaisir, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Amira, il est sportif, il saute dans la mer, il aime nager. Amira Ahmed, c'est bien. Cosminalikar, il y a une personne au-dessus d'un lac qui a bien hâte d'y plonger. Très bien écrit, très bien écrit. Mohamed Dick Honest. Ah, oh, Dick Honest, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est très très sympathique de vous retrouver. J'ai vu un homme, il... Ouais, faites attention, faites attention. Il est tombé, bébé, bébé, avec un B, hein, du ciel. Il est tombé du ciel. Alors, Bickert nous dit, cette photo, pas de S, sa photo, est fantastique et artistique. Un homme plongé... utilisez plutôt le verbe... Oui, un homme, d'accord. Un homme, pas d'accent, plonge dans la rivière. C'est très dangereux. Donc c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Alors attendez, parce que j'ai toujours des problèmes avec... Rory, qu'est-ce que Rory nous dit? Nous dit lâcher prise, c'est être libre. Oh, mais mon Dieu, Rory, que se passe-t-il? Nous avons le philosophe de la soirée qui est avec nous. Mohamed nous dit un homme, d'accord, ça on avait vu. Monica Bing qui nous dit l'homme saute dans la rivière. Oui, c'est très très bien. Nelson, bonsoir Nelson. Un homme saute. Souvenez-vous Nelson, vous utilisez toujours être. Non, non, non Nelson, il faut utiliser le verbe sauter et vous conjuguer. Un homme saute dans la rivière. Finzark, il essaye de... Ouais, faites attention Finzark, le verbe essayer avec un autre verbe, on va utiliser la préposition de. Il essaie de chasser un cerf-volant. D'accord, Finzak? C'était parfait en tout cas. Ensuite, Seren, un homme saute au lac pour se calmer. Oui, saute, conjuguer. Hein, Seren 554, conjuguer le verbe sauter. Victoria, il s'amuse au bord du lac. Victoria, parfait. Victoria, elle fait plus de fautes maintenant. Victoria, c'est devenu une spécialiste. Awatef, c'est magnifique quand je vole, c'est bien. Son aile, ça c'est un petit peu étrange. Awatef, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mohamed, un homme qui saute dans la rivière, c'est parfait. Mohamed, Joseph, ah, Joseph est de retour, c'est parfait. Bonsoir Joseph, ça fait plaisir de vous voir. L'homme tombe dans... Ouais, faites attention Joseph, c'est le lac. L'accès masculin. Berilla est avec nous. Youpi! Il est dans l'air en train de se mouiller. Il fait beau. Bah écoutez, c'est parfaitement écrit et je dis bravo. Alors, attention, attention, une petite seconde pour vous préparer psychologiquement à l'exercice qui arrive. Et oui, c'est le participe passé. Alors le participe passé, ça va être un exercice où logiquement, ça va être assez rapide. Donc, attention, on commence avec ben, tout simplement le premier. Je vous donne l'infinitif. Le verbe c'est joindre. Écrivez-moi uniquement le participe
passé du verbe joindre, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord, donc tout le monde, faites attention, Widad, c'est joint, J-O-I-N-T, alors attendez, parce que là, bien sûr, il y a encore un problème technique, non, ça fonctionne, youpi, c'est joint comme ça, J-O-I-N-T, allez, on attaque avec tout simplement les suivants, et le suivant, c'est le verbe lire, oui, Ice Cube, c'est les irréguliers, vous le savez. Alors, faites attention, Kedim et Joseph, I just called, c'est pareil. Faites attention parce que, effectivement, il est un petit peu bizarre, mais regardez. Ah, oh, bien sûr, je fais des erreurs encore. Regardez, on y arrive. Le participe passé du verbe lire, qui est un verbe du troisième groupe, c'est lu. L-U. Et c'est avec avoir, hein, on est d'accord. Donc souvenez-vous, mais l'homme saute dans la mer. Ah oui, rafraîchissez, vous êtes en retard. Si vous n'êtes pas synchronisé, il faut rafraîchir. Allez, le verbe suivant, c'est le verbe mettre. Allez-y. Voilà, et donc Daria, I just called, Abir sont les trois premières à avoir donné la bonne réponse. Faites attention, Mohamed, c'est pas mais parce qu'il n'est pas régulier. Alors attendez, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, c'est mi. Souvenez-vous, M-I-S. Et Finzark nous l'écrit avec un espace M-I-S. I et S. Merci beaucoup, Finzark. Allez, le prochain, regardons ensemble. C'est toujours la bagarre. Ah, et c'est le verbe mourir, s'il vous plaît, le verbe mourir. Alors, je vois que Daria était la première, mais malheureusement, Daria, faites attention parce que là, vous avez fait une erreur qui est une erreur assez classique. On pense que mourir, c'est mouru, mais en fait, c'est mort, M-O-R-T. Heureusement, on n'utilise pas souvent ce mot. Oh, Finzark qui nous met des illustrations. Bah voyons, c'est pas très très sympathique. Alors, M-O-R-T, on utilise avec l'auxiliaire être. Il est mort. Et donc, on met le féminin, elle est morte. Avec le E final, d'accord. Merci beaucoup. Oui, Suzy nous donne justement la forme masculine et féminine. Et c'est très très gentil, Suzy. Merci beaucoup. Alors, on continue avec... Ah,
regardez encore une fois, je me trompe. C'est incroyable. Voilà. Le verbe naître, s'il vous plaît. Alors faites attention, Cosminalika, parce que c'est pas nait, N-A-I-T, mais c'est, encore je me bats avec la machine, c'est né. Même chose qu'avec mourir, en fait, naître, on va utiliser l'auxiliaire être. Donc, je suis né. Donc effectivement, il est né, N-E accent aigu. Elle est née. N, accent aigu, E pour le final. Mohamed nous a mis le féminin. Finzark, oui, Finzark, oh mon Dieu, formidable. Widad nous a mis aussi le masculin et le féminin. Suzy aussi, merci beaucoup. Et ça, c'est formidable. Regardons le verbe suivant et c'est le verbe offrir. Là, apparemment, tout le monde est à peu près d'accord. Offrir, Finzark dit offert avec un point d'interrogation. Oui, oui, c'est ça, c'est correct, pas de problème. Faites attention, hein. Offrir, il est vraiment bizarre parce que offrir, c'est la même famille que ouvrir, couvrir, découvrir. Ils sont vraiment, vraiment spéciaux. Mais c'est donc c'était offert, hein, donc félicitations. Pour tout le monde, voilà, vous le voyez. Et le prochain, on va y arriver. Normalement, c'est facile. C'est ouvrir, s'il vous plaît, une petite seconde. Voilà, donc on est d'accord que c'est la même famille, hein, c'est vraiment la même famille de verbes. Donc on avait offrir, offert. Maintenant nous avons ouvrir qui nous donne, regardez, ouvert. Donc là je pense que tout le monde l'a à peu près trouvé. Oui, pour l'instant il n'y a pas de problème. Hein, je dois dire bravo, bravo à tout le monde parce que c'est vraiment bien. On continue avec le suivant et le suivant c'est paraître. Alors faites attention, est-ce que vous allez trouver le participe passé de paraître ? C'est incroyable, Daria, je ne sais pas ce qui se passe, Daria est toujours la première, Cosminalika est juste après, et I Just Called est juste après, donc paru. Awatef, faites attention, vous mettez le féminin, on va dire que la forme basique, attendez, je vais vous la mettre comme ça, ouais,
Voilà. La forme basique, c'est vraiment paru, juste U. Joseph, non, pas de circonflexe, s'il vous plaît. Juste le U sans circonflexe. Morgane, faites attention, Widad. Widad, c'est pas pareil, mais c'est vraiment paru. Je regarde les autres, c'est bien. Nidia Maria, rafraîchissez. On n'est pas synchronisé, faites attention. Suzy, c'est bien. Sérène, c'est bien aussi, donc pas de problème. On va continuer avec le prochain. Et le prochain, c'est le verbe peindre. On est d'accord, ce sont uniquement des verbes irréguliers pour que ce soit plus intéressant. Et encore une fois, ce sont toujours les mêmes qui sont en première position. Nous sommes d'accord que le verbe peindre est un verbe un petit peu bizarre parce que, regardez, regardez. Ah, encore une fois, c'est bizarre. Le participe passé est avec un T. P-E-I-N-T. Et là, vous retrouvez la connexion avec tous les substantifs, les mots comme peinture, peintre, etc., etc. Donc c'est P-E-I-N-T et phonétiquement on prononce peint avec le verbe avoir. J'ai peint ce tableau par exemple. Allez, s'il vous plaît, on va continuer avec le verbe pouvoir. Je regarde vos réponses et là, pour le moment, effectivement, tout le monde me donne la bonne réponse. Le verbe pouvoir, donc on va le conjuguer avec avoir, hein, on est d'accord, mais c'est une forme qui est vraiment très très courte. Comme vous voyez, c'est pu. Donc PU, on est d'accord, hein, j'ai pu faire mes exercices, j'ai pu faire mon travail. Etc. etc. Donc pour le moment, c'est clair pour tout le monde, donc c'est parfait. Et regardez, regardez. Alors attendez, parce que voilà, youpi youpi, la dictée. La dictée, j'ai décidé de vous proposer quatre expressions avec le verbe prendre. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ça, on va voir. Je vais vous donner une toute petite seconde pour vous préparer psychologiquement. Oh, un grand merci à Berilla71 qui me fait un petit cadeau et c'est toujours, toujours très agréable. Alors, on y va. Donc, on va faire quatre expressions avec le verbe prendre. Je vais dicter ces expressions et vous allez écrire ces expressions et après, bien sûr, on va comparer pour voir si c'est correct. La première expression, c'est l'expression suivante. Être un cœur à prendre. Être un cœur à prendre. Et je vous donne ici, regardez, voilà. Être un cœur à prendre. Écrivez-moi ce que vous avez entendu.
Alors encore une fois, je me bats avec la machine. Regardons si c'est possible de vous donner la réponse. Alors, être un cœur à prendre. Regardons comment est-ce que c'est possible de l'écrire. Yeah, ça marche. Regardez. Donc effectivement, c'était être un cœur à prendre. Faites attention, on l'écrit vraiment comme... Il y a certaines personnes qui avaient écrit... En cœur, mais c'est vraiment un cœur, être un cœur à prendre. Hein, encore une fois, excusez-moi pour les petits problèmes techniques, mais ça fait partie de ces exercices. Allez, on attaque avec le prochain. C'est toujours pareil, ça marche jamais vraiment. Alors, le prochain, attention, c'est donc c'est une dictée, je ne vous donne rien. Et le mot est, ou en tout cas la phrase est, ne pas prendre position. Ne pas prendre position. Merci pour votre patience. Alors, il y a des gens qui se moquent de moi! Alors, regardez, attendez, j'espère que ça marche. Youpi, ça marche! Donc voilà, ne pas prendre position. Allez, on attaque avec le prochain. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est vraiment, vraiment bien. Et ben, la prochaine expression, elle est ici. Et c'est ne pas se prendre la tête. Ne pas se prendre la tête. Alors faites attention, Suzy, Suzy, c'était juste une... Faites attention quand vous mettez la négation des infinitifs, c'est ne pas. Et après le verbe à l'infinitif, ne pas prendre, ne pas se prendre, etc. Donc là, c'était effectivement ne pas se prendre la tête. Ce sont des expressions, hein, on est d'accord? Donc ce sont des expressions, j'espère que ça va fonctionner, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai des problèmes. Voilà, ne pas se prendre la tête. Allez, on attaque avec l'expression suivante. Heureusement, il y en avait uniquement quatre. Et regardez, attention, prendre quelqu'un à l'essai. Prendre quelqu'un à l'essai. Allez, merci beaucoup. Thank you.
Alors, faites attention, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu lisser. Il y a certaines personnes comme Ice Cube qui pensent laisser. Regardez l'expression. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous donner ici des expressions. Prendre quelqu'un à l'essai. Hein, le mot ici, essai, c'est vraiment le substantif. C'était un petit peu difficile pour certaines personnes. Victoria a eu du mal. Keys, comme beaucoup de personnes, vous avez dit prendre quelqu'un à laisser. Faites attention, et là c'est vraiment important. Vous savez, si vous écrivez laisser et. Mais moi j'ai prononcé laisser. Donc ça veut dire que est et c'est tout simplement le substantif. Donc c'est prendre quelqu'un à l'essai, voilà. Oui. Pinzard qui est désespéré. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous stresser avec ça. Allez, 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 on change. On change si vous voulez. Question-réponse. Répondez-moi avec une petite phrase, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc la question c'était qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Et alors, regardons vos réponses. Mansiverna, un repas léger. Faites attention, Mansiverna, repas c'est masculin, donc votre adjectif léger doit être masculin. Un hein, pas de E à la fin. Oumang nous dit du gâteau, youpi youpi. Quel gâteau est-ce que vous avez mangé, Oumang? Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai mangé du pain et du café au lait. D'accord, très bien. C'est parfait. Franchement, les accents, c'est parfait. Kosminalika, aujourd'hui, j'ai mangé du riz. Très bien, parfait. Ensuite, attendez, attendez, je regarde parce que ça vient très rapidement maintenant. Zeke Thomas, je suis faim. Faites attention. Zeke Thomas, souvenez-vous, l'expression avec faim, c'est avec avoir. J'ai faim. En fait, attention, c'est pas comme en anglais, c'est vraiment avec avoir. J'ai faim, d'accord? Daria, j'ai mangé un. Alors, yogourt, oui, on dit yaourt en français. Une soupe des glaces avec chocolat et framboise et banane. Banane, faites attention, c'est à la fin N-E-S. Banane. Habir, j'ai mangé un sandwich au fromage et une salade. Très bien. Habir, vous savez, Habir, je suis dans une situation terrible. Avec le corona, j'ai pris des kilos. Donc c'est comme vous, Habir. À la salade maintenant. Amira, je mange des pâtes et du poulet. D'accord. Awatef, j'ai mangé du poisson, c'est très bien. Pema Diki, j'ai mangé des nouilles, parfait. Monica Bing, j'ai mangé des fruits aujourd'hui, très très bien. Alors attendez, je suis perdu maintenant, bien sûr. Suzy, je mange le sandwich avec tuna. Non, 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 souci. En français, tuna, c'est thon. THON. Finzark, j'ai mangé du riz avec un œuf. Très bien, Finzark. John, je mange du café et une pomme. Ouais, John, idéalement, on va utiliser le verbe boire pour le café, hein, pour ce qui est liquide. Donc, je bois, BOIS, du café et je mange une, féminin,
pommes. J'ai pris mon déjeuner, nous dit Maz. Bickert, j'ai mangé la soupe à déjeuner, d'accord. Kittle, bonjour Kittle, ça fait longtemps. Youpi, youpi, vous êtes là. J'ai mangé une salade, Kittle, féminin, de sardines à la tomate avec citron et concombre, parce que, Kittle, deux mots, parce que, ok, je fais le régime. Moi aussi, je fais le régime. Tout le monde fait le régime après, après cette situation. Victoria, j'ai mangé de la salade et du chocolat. C'est très, très bien. Je fais une recette française tartiflette, Victoria. Oh, vous savez, Victoria, j'adore la tartiflette. Des milliards de calories, mais c'est délicieux. Oh, je vais vous inviter si vous voulez. Allez, l'exercice suivant, et après on va bientôt finir. Ça s'appelle chercher le mot. Attention, chercher le mot. Vous écrivez le mot qui manque dans la phrase. Et encore une fois, je me bats avec la machine. Oui, la tartiflette, hein, Victoria, incroyable, incroyable. Alors, regardons. Vous me proposez calme. Ouais. Faites attention en français. Calme, ça va être avec un E, d'accord. Certaines personnes ont proposé tranquille. Ça, je l'accepte. Hein, tranquille, je l'accepte. Pas de problème. Mais calme, souvenez-vous. Alors, calme. C'est très très intéressant parce que calme, qui storès demande, oui, calme, c'est la même forme au masculin et au féminin. Hein, donc c'est calme, c'est A-L-M-E, comme nous écrit très très gentiment Finzark. Merci beaucoup Finzark. Allez, on attaque avec, regardez. Voilà le prochain mot que vous devez trouver. Et alors là, vous allez me détester, je sais. Alors c'était la dernière, et la dernière, automatiquement, ça devait être un petit peu plus difficile. Regardez, l'expression, en fait, c'est se porter acquéreur. Ça, c'est un petit peu difficile. C'est du B2. Et donc ici, on devrait mettre le verbe porter au conditionnel présent. Donc porterait, comme vous voyez ici, avec A-I-S. Et donc l'expression je m'en porterai acquéreur. C'est une expression, c'était pas facile. C'était la dernière phrase pour cette leçon. Faites attention, ouais, c'était un petit peu difficile pour beaucoup de personnes. C'est pas grave. Souvenez-vous, l'expression se porter acquéreur de quelque chose.
Je m'en porte acquéreur présent. Et ici, le conditionnel, je m'en porterai acquéreur. Voilà, je vous donne rendez-vous. Oui, je sais, Cosminalika qui dit waouh! Je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est exactement à la même heure. C'était vraiment un plaisir de faire ce cours avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée, matinée, nuit et rendez-vous demain. Merci beaucoup. Au revoir.